Arrivée en Israël pour participer à la compétition de Miss Univers 2021, Clémence Bottineau a appris une mauvaise nouvelle, elle est atteinte de la Covid. Malade, la reine de beauté craint le pire pour la suite mais reste combative. Nouvelle difficile à avaler pour Clémence Bottineau. Miss France 2020 a été testée positive à la Covid-19, peu après son entrée sur le sol israélien, où elle s'est rendue pour le concours Miss Univers. C'est sur son compte Instagram que la jeune femme de 24 ans a fait part de son immense désarroi. Très triste, elle s'est confiée dans un très long message sur son coup de mou. À l'heure où j'écris, ça va un peu mieux. Mais j'ai été dévastée parce que c'est trop. Je suis quelqu'un de positive, déterminée, je travaille très dur et je me donne corps et âme. Les deux dernières années ont été jonchées d'épreuves mais celle-ci est rude, a révélé la reine de beauté qui fait certainement référence à la pandémie mais aussi à l'incendie qui a ravagé son immeuble la Guadeloupéenne, qui en a apparemment gros sur le cœur, s'est livrée à ses abonnés. Loin de chez elle et de ses repères, elle explique qu'elle a pu compter sur le soutien de ses proches pour la consoler par téléphone. « Je suis très fatiguée, j'ai perdu le goût et l'odorat. » Tout était en règle, mes vaccins, mes tests. Mais la vie est imprévisible, a déploré Clémence Bottineau, qui doit rester 10 jours en isolement avant de repasser un test qui déterminera si elle pourra ou non concourir le 12 décembre à Ella. Mais Sylvie Tellier n'a pas été très rassurante à la suite de cette annonce, confirmant que le début de l'aventure est perturbé pour Clémence Bottineau et que celle-ci a bel et bien des symptômes malgré sa vaccination contre la Covid-19. C'est juste la faute à pas de chance. On va juste croiser les doigts pour qu'elle puisse réintégrer la compétition, a-t-elle conclu en story Instagram. En attendant, Clémence Bottineau a déjà prévu son planning pour les prochains jours, se reposer, faire du sport et regagner ses forces. Je sais, je suis la Miss France Covid, nous n'avons jamais été aussi proches de la vérité. Je ne lâcherai rien, je me battrai toujours et tout ce que je vis, tout ce que nous vivons nous rend plus forts, a-t-elle écrit. La Miss a déclaré qu'elle donnerait de ses nouvelles durant sa convalescence. Et malgré ce coup du sort, la jeune femme se sait très chanceuse d'en être arrivée jusque-là et relativise, « On m'a toujours dit que rien n'arrive par hasard, la vie a fait que malgré tout, je me retrouve en Israël. » J'aurais très bien pu ne pas prendre l'avion et les frontières auraient été fermées, dans l'espace commentaire, la Miss a reçu les encouragements de ses amis Flora Coquerel, Louane l'Orphelin, Marine l'Orphelin, ainsi que ceux de Sophie Diri, Miss Bourgogne 2019 et Déborah Halal, qui représentera le Mexique à Miss Univers.